beaucoup au Centre d'entretien de Genève de nous avoir accueillis samedi pour métamorphoser nos rêves et aujourd'hui pour baptiser notre train. Sortir un train d'un sillon, c'est plus complexe que de parquer un Segway. Merci à M. Vincent Ducrot, M. Nicolas Kramat, M. Tobias Ebinger, M. Ivo Lefebvre et CFF de pouvoir pu réaliser ce rêve. Le maire de Genève, mesdames et messieurs les représentants de la culture, du tourisme, de la formation, des transports, des médias, chers partenaires du monde du cirque Genève 2010, chers collègues, si l'on demande aux Suisses et aux Suisses ce qu'évoquent pour eux les CFF, je ne pense pas que la première chose qu'ils vont dire, c'est la culture. Non, je pense qu'ils vont certainement parler de, enfin en tout cas je l'espère, de ponctualité. Du cirque pour 2010, là aussi, il y a certainement une similitude, puisque Genève a vocation ces prochaines années. Monsieur le responsable du trafic régional des CFF, mesdames et messieurs, cela peut vous paraître un peu incongru, peut-être, de voir un directeur de l'Office fédéral de la culture dans un lieu pareil. Détrompez-vous, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de me trouver dans des lieux similaires. J'étais il y a quelques mois à Saint-Gall dans une remise des locomotives qui a été transformée en centre culturel. Que le CIF fait partie des préoccupations de la culture. De quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de culture? L'UNESCO donne une définition qui dit: c'est l'ensemble des traits intellectuels, spirituels, matériels et affectifs qui organisent une société. Je vais être avec vous et je vous souhaite une excellente journée. Je passe la parole maintenant au maire de Genève, M. Pagani. Merci de votre attention. Monsieur le représentant du Conseil fédéral, monsieur le représentant des CFF, mesdames et messieurs, chers amis, c'est un honneur pour la ville de Genève et pour les autres. Le cirque, beaucoup de choses ont été dites sur le cirque, mais le cirque est traditionnellement itinérant et c'est un symbole extraordinaire que faire se joindre ce qui constitue l'essence même du cirque. Mais en fin de rencontre, cela a été un amour total de monde du cirque et de l'ICN avec les CFF. Avec la complicité légendaire des ateliers du Nord de Lausanne, elle fut métamorphosée pour 320 ans. C'est donc dans une surprenante et merveilleuse parure revisitée à la manière de nos illustres clowns que le fleuron des trains des CFF va parcourir les rails et habiter les gares de notre pays. Un rêve accompli pour cette merveilleuse machine, jeunes et moins jeunes, fans du cirque, auront l'occasion d'admirer, de découvrir, de la fréquenter tout au long des 320 prochains jours. Merci.